Bonjour, bienvenue au lac du Bourget. Je vais vous présenter notre dernier bateau, le Light Duo. Duo parce que c'est un bateau pour deux rameurs. Un bateau qui est destiné essentiellement au club, mais éventuellement à des particuliers qui voudraient ramer entre amis ou en couple. C'est un bateau qui fait 6,50 m en longueur. Ici, il fait un petit peu moins de 80 cm de large. Un bateau très stable, mais qui permet quand même de bien apprendre l'aviron et d'évoluer. C'est un bateau qui sera utilisé pour de l'entraînement, pour une catégorie loisirs, pour des débutants, ou alors pour des rameurs un peu plus confirmés qui rameraient sur des plans d'eau agités. On a un pont qui est bas. Pour monter dans le bateau, c'est plus facile, on peut mettre son pied tout en bas. L'installation du rameur est identique à tous les bateaux d'aviron. Les rails sont, on peut les déplacer d'avant en arrière au moyen de ces trappes. Il y a trois papillons à débloquer, c'est assez facile. Le siège, c'est un siège qui est réglable en hauteur. Et la planche de pied est livrée soit avec des flex foot, soit avec des chaussures. Et il y a moyen de la régler dans toutes les positions. En ce qui concerne les portants, on a un système facile. Qu'on a appelé quick release. On retire deux goupilles et c'est très facile de retirer le portant, en particulier pour un club qui voudrait gagner de la place sur le stockage du bateau ou un particulier effectivement qui voudrait mettre le bateau sur le toit de sa voiture. À l'arrière, on a un filet. Un filet, pourquoi faire? Si on rame en mer, on peut mettre un gilet de sauvetage, on peut éventuellement partir en randonnée, mettre un sac. Il y a de la place de stockage dans une trappe à l'avant. On peut mettre un sac aussi sous le siège du rameur qui est à l'arrière. Le bateau là fait 43 kg. Deux personnes le déplacent très facilement. Donc en conclusion, c'est un bateau très polyvalent. Qui permet de ramer déjà sur tous les plans d'eau, rivière, lac ou mer. Si on rame en mer, le bateau est auto-videur, l'eau va s'évacuer et on a en option la possibilité de mettre un self-bailer, c'est-à-dire un vide-vite. Il est bon pour tous les publics, soit un public débutant sur de l'eau calme, soit un public plus expert sur de l'eau qui serait agitée. Donc un bateau qui est à destination soit des clubs, soit des particuliers qui voudraient avoir un bateau pour ramer en double.